Salut, moi c'est Sophie. Moi c'est Kevin. Notre chaîne c'est Bravo Éco RVing. Notre mission c'est de partir à l'aventure en vivant à temps plein dans notre fifth wheel. On se promène à travers le Canada puis les États-Unis pour découvrir puis vivre plein de nouveaux endroits. Aujourd'hui, on vous présente la partie 2 de nos aventures à Nashville. Là, on va vivre l'expérience Nashville. On se promène sur Broadway, on découvre ses bars, ses chansonniers, sa bouffe, puis on va même danser. Puis comme on est au Tennessee, on n'a pas le choix d'aller visiter l'endroit où le Jack Daniel's est fabriqué. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Un petit peu beaucoup excité. Moi, je suis contente d'être à Nashville. I wanna keep living that. Get a ring, let you be right. On est fait ça dans le camion. Oh my God, c'est sûr que je vais aller manger là. Buy one, get two. Non. Non. Des deux pour un, des achètes-en deux et obtiens-en un, déjà vu. Mais des achètes-en un puis obtiens-en deux, on n'a jamais vu ça. Surtout pas sur des bottes de cow-boy. Vraiment, les chapeaux c'est en haut, les bottes en bas. Putain, bon, mais... C'est pas le bon chapeau, cow-boy! Non. C'est con, je croyais que l'autre te faisait mieux. Dans la dernière vidéo, je vous ai dit que j'allais avoir les jambes assez dégourdies pour aller danser. Ben, c'est là que ça se passe. Ouais, ça va réveiller les jambes pour aller danser. C'est ce qu'on va faire. 8, 5, 6, 7, 8, 2, 1, 2, 3, 4.
C'était pas bon, mais on a eu du fun. Il y en a une en particulier que j'avais regardé avant, on ne rentre pas dans la tête pantoute. Le dernier qu'on a fait, là. La deuxième, moi, fait ça. Bye. Vous allez voir, là, mais. Rape onto the right heel, rape onto the left heel, step, heel, step, heel and boogie, two, three, stomp it out, stomp all the turns, rape onto the right, rape onto the left heel, step, heel, step, heel and boogie, two. Watching her hands, miss a swat, what would it be? Comme on avait super bien performé. C'était enfin le temps d'aller essayer le Kid Rock Honky Tonk. Comme plusieurs bars à Nashville, le Kid Rock, il y a plusieurs étages. Puis sur chaque étage, il y a des chansonniers de styles différents. Notre mission, trouver le bon étage avec de la place. Yeah, I'm okay. On a rencontré un gars dans le restaurant. Il est comme devenu notre ami. Ouais, à la force des choses. Il nous a payé une bière parce qu'on était militaires. Il a même pas dit. Non, il a comme deviné qu'on était militaires. Deviné qu'on était militaires. C'est comment ça tu sais ça? Il dit, t'as tellement le style. Ok. J'ai les cheveux longs. Ben, malgré que c'est ça pareil, là. Il a payé une bière. C'est vraiment drôle parce qu'il s'appelait Brian. Hein, Kip? Puis en plus, il y a un restaurant de pizza. Ouais, à Kansas. Fait que, mec, ouais, on passe à Kansas City, ouais. Mec, on passe à Kansas City, bon, on va aller à son resto de pizza parce que Kevin, il aime beaucoup la pizza. Un bon souper, c'est bon? C'est le fun, la bonne musique. Au Kid Rock Honky Tonk. Yeah. À date, à Nashville, tout partout, ce qu'on a voulu, aller aux toilettes, il n'y avait pas de problème. C'est pas genre écrit « toilettes juste pour les clients » ou quelque chose du genre, ou qu'il faut payer pour aller aux toilettes, contrairement à beaucoup d'autres villes. Même le Taco Bell, il y a des chansonniers d'habitude.
C'est malade. Ben, j'en veux un gros coquet. Ouais. Une demi-livre coquet. J'en veux un coquet. Killing bite. Thank you so much. Yeah, hell yeah. Hell yeah. Oh, yeah. Hey, thank you. Thank you. Thank you. Ah, c'est cool. Hell yeah. Lui, il est content de trouver de la crème glacée. Hey. On a pris dolce leche et café. Oui, j'ai comme de la série, tant qu'il y a du caramel. Elle est précommandée, là. Ouais. Wow! Ça goûte, hein, quand c'est du fait maison. Ça, c'est le repas principal. On va montrer le dessert. Ça, c'est notre dessert. Genre. Après avoir visité, dansé, d'avoir survécu à de Kid Rock Hanketong, avoir trouvé le dude, ben, on avait bien mérité une petite crème glacée. C'est moelleux, là. Mm. Je pensais que ça aurait été un biscuit dur, genre sec, non. C'est vraiment fait ici. Puis le petit biscuit, c'est un plus. Le petit biscuit? Stationnement, c'était le party partout. Il y en avait même qui avaient loué l'autobus party qu'on vous a parlé dans l'autre vidéo. On peut vous dire qu'à ce moment-là, nos amis nous manquaient vraiment. Ça aurait été épique. Et qu'on est de retour sur Broadway. 3 à 3. Thank you. Oh. Et c'était drôle. Ouais. Il était tout content que tu leur offres de prendre une photo. C'est genre, ça doit faire une demi-heure qu'ils sont là assis pour pouvoir prendre une photo, personne leur demande, tu sais. J'ai pris des vidéos. Quand j'ai dit, OK, tout le monde t'embrasse, j'ai pris des vidéos. Ça va leur faire des beaux souvenirs. Vous rencontrez des gens qui sont blessés, que vous étiez pas là quand c'est arrivé. Là, c'est le temps de parler de santé et sécurité au travail. En voyage. On a croisé un monsieur assis sur un bloc de béton qui saignait de la tête puis qui avait de l'air vraiment étourdi. On est allé le voir pour lui demander qu'est-ce qui se passait parce qu'il était tout seul. Il était tellement confus que tout ce qu'il voulait, lui, c'est retourner à sa chambre d'hôtel, puis il voulait prendre un taxi, mais nous autres, il était vraiment trop étourdi, puis il saignait, là. Fait qu'on a fait signe, il y avait des policiers juste l'autre côté de la rue, fait qu'on leur a fait signe de venir voir pour venir prendre en charge le monsieur. Si vous rencontrez des gens qui sont blessés, que vous étiez pas là quand c'est arrivé, prenez pas pour acquis qu'ils vont bien, même s'ils vous disent qu'ils vont bien. Le premier réflexe d'un être humain, c'est pas mal de dire « je vais bien » parce que tu veux pas ne pas aller mal. Fait que,
si vous voyez du sang ou peu importe là, qui a été vraiment cogné, prenez pas de chance. Faites venir la police sur place. Ils vont en prendre en charge comme il faut. Puis c'est pas à vous autres de juger si le gars il est correct ou pas. T'sais, fait... Même pas à cette personne-là de ouais. dire. Tu sais, c'est ça, on sait jamais. Fait que prenez pas de chance. Il ne restait pas beaucoup de temps à Nashville. On a donc décidé de partir à la recherche des ailes à Sophie. Les ailes sont en fait un œuvre de Kelsey Montag, qui sont surnommées « What lift you ». Ça veut dire « Qu'est-ce qui vous élève ». Elle les a faites dans le but que tout le monde se sente beau. Dans l'autre vidéo, on a parlé que l'arrêt de Gouges, on savait pas trop c'était quoi. Mais les ailes, c'était là. Aujourd'hui, on s'en va visiter la distillerie Jack Daniel's. Eh ouais! C'était 1h30 de route. À partir du camping où on était pour venir ici. Avant de vous montrer notre visite de la distillerie, on avait envie de vous faire un petit résumé de la fondation de Jack Daniel's. C'est en 1864 que Jasper Newton Daniel, bien, il est parti de la maison et est allé vivre à la ferme du révérend Dan Cobb. À cet endroit-là, il a tout appris du preacher puis d'un de ses esclaves, Nathan Nearest Green, sur la fabrication du whisky adouci au charbon de bois. C'est en 1866 qu'il a fait enregistrer l'étiquette de la marque. Jack a repris la distillerie peu de temps après, lorsque le révérend Carl a dû démissionner pour des raisons religieuses. C'est à ce moment-là que Jack a engagé Green parce qu'il était affranchi puis que c'était un de ses meilleurs amis comme un maître distilleur. Il y a plusieurs générations de Green qui ont ensuite été employés par la distillerie. C'est en 1884 que Jack achète le terrain et la grotte Spring Hollow où ce que la distillerie est présentement. En 1897, il a commencé à utiliser les bouteilles de forme carrée. C'était pour propager un sentiment d'intégrité et d'équité. C'est en 1904 que le Old numéro 7 a gagné un prix, une médaille d'or au World Fate. C'est un camion qui a servi pour le transport de la bière quand Jack Daniel a fait la bière. 25, thank you. Come on in. My name's Bob, your tour guide for about the next hour and a half. Didn't let y'all know there are no restrooms on the tour path. Where are y'all from? Canada. Canada? What part? Québec. Le guide nous explique que derrière nous se trouvent les maisons de Barry. Dans une maison, il y a 20 000 barils de 53 gallons, ce qui fait 1 million de gallons dans une maison. Chez Jack Daniel's, ils doivent payer 3 taxes. Il y a une taxe fédérale de 13,50 par gallon, qui donne 13,5 millions de taxes par maison. En tout, il y a 95 maisons, ce qui veut dire qu'il paye 60 % de taxes par baril. Il faut en vendre du whisky. Trois fois par semaine, trois fois par jour, ils empilent des palettes d'érable à sucre. Empilés sur 5 pieds de haut, ils les arrosent de whisky brut non vieilli avant d'enflammer le bois. Le feu culmine à plus de 2000 degrés Fahrenheit avant de se transformer en braise fumante. Les palettes sont ensuite ratissées jusqu'à ce qu'elles soient enfin refroidies et prêtes à adoucir le Tennessee Whiskey. La transformation du whisky en Jack Daniel's que vous connaissez et aimez dépend de l'allumage des feux, mais aussi de la disponibilité d'un approvisionnement durable en érable à sucre à brûler. Dans le cadre de leur engagement envers la durabilité, ils continuent de progresser vers la protection et la reconstitution des érables à sucre pour les générations à venir. Cave Spring Hollow est la plus grande ressource naturelle de Lynchburg, puisant chaque minute 800 gallons d'eau à des kilomètres sur la surface de la Terre. C'est l'élément vital de ce whisky. Jack Daniel a acheté la cave et le terrain environnant pour 2148 $. À l'époque, c'était une fortune. Mais qu'est-ce qu'il a vu dans l'eau de la grotte? Absolument rien. Comme dans
aucun sédiment, aucune impureté, juste de l'eau de source propre et pure. Les couches de calcaire de la grotte confèrent naturellement à l'eau une variété de minéraux qui contribuent au caractère du Jack Daniel's. Ils ont conservé des centaines d'acres de terrain pour protéger la source. En plus, ils économisent environ 8 millions de gallons d'eau par an en pompant l'eau de leur système d'osmose inverse pour l'utiliser dans leur système de bouche d'incendie. Comme pour éteindre le feu de palette. La recette de ce bon whisky est faite de 80 % de maïs, 12 % d'orge et 8 % de seigle. Le monsieur nous a expliqué que c'est pas eux qui font la production de ça parce qu'ils consomment 95 de maïs par jour puis qu'il fait trop chaud pour l'orge et le seigle. Donc ces produits-là viennent du Midwest des États-Unis et même du Canada. Et ce sont de la qualité numéro 1. Qu'est-ce que tu es, Jack? C'est l'alcool. Ben non, c'est ce coffre-fort. C'est un matin de 1906 que Jack est arrivé plus tôt au travail, mais sa secrétaire n'était pas encore arrivée. Là, il a voulu ouvrir son coffre-fort, mais il n'est pas arrivé parce qu'il n'y arrivait jamais. Fait que ben, il s'est fâché, puis il a donné un coup de pied dans le coffre, puis il s'est cassé la grosse orteil. Puis, la médecine étant ce qu'il était dans ces années-là, ben, il y a de l'infection qui a pogné dans la cassure de l'orteil. Puis l'infection s'est empirée puis est allée dans le sang, fait qu'il est décédé en 1911. On arrive à la place où il y a le charcoal. La filtration au charcoal. La filtration du charcoal. Puis il a fait sentir. C'est quelque chose à s'entendre. C'est intéressant de savoir que tout est gardé. Fait que même le charcoal est gardé. Tu sais, quand on voit là, dans les magasins charcoal pour le barbecue, ben c'est vraiment celui-là. Charcoal Jack Daniel's. C'est intéressant de savoir aussi que l'entreprise Jack Daniel's, c'est beaucoup une entreprise familiale depuis le début. Fait que c'est quelque chose qu'ils voulaient garder. Fait qu'ici, les employés, là, ils ont presque tout quelqu'un en commun là, qui travaille, que ce soit une sœur, une tante, un oncle, un mari. Fait que c'est beaucoup familial. Puis à chaque mois, ben ils ont une bouteille de Jack Daniel's que je leur ai donnée. Même si ici, c'est une ville sans alcool. Les barils sont faits de chêne blanc américain, sans colle et sans clou. Une fois assemblés, l'intérieur des barils sont brûlés pour en extraire les sucres naturels du bois. Il nous parle de la soak line. Comme le bois réagit à la température ambiante, il laisse le whisky pénétrer les pores du bois. Au chaud, le whisky entre et au froid, le whisky en ressort. Les barils fonctionnent un peu comme une poche de thé, à usage unique. Puis après ça, ils les donnent à... Ils vont les vendre. Soit ça peut être pour faire plein d'autres sortes d'alcool, ça peut être juste pour le plaisir des gens. Il y a des gens aussi qui fabriquent des choses avec ça. Ils nous ont dit qu'on pouvait aller voir une boutique en ville là, qui fabriquait beaucoup de choses à partir des barils. Fait que pas mal tout est réutilisé. Même tantôt, ils parlaient que le blé qui est utilisé là, pour faire le whisky, il redonnait aux fermiers après pour nourrir les vaches. Fait que ça fait des vaches heureuses parce que c'est un 5 % d'alcool. C'est happy cow! Ce qu'il disait aussi, c'est que le scotch irlandais, s'il est bon comme ça, c'est parce qu'il achète les barils de Jack Daniel's puis ils font le scotch dedans. Il vient de dire pourquoi on n'a pas le droit de prendre des photos, c'est à cause du fume de l'alcool. C'est quelque chose de... T'es comme, OK, on pensait que c'était pour pas montrer ça à tout le monde, mais non, c'est pour sécurité. Jack, il a jamais été marié, puis il a jamais eu d'enfant. Puis comme il commençait à être malade dû à sa grosse orteil, il a décidé de léguer la distillerie à ses deux neveux en 1907. Lem Motlow, qui est le fils de la sœur de Jack, qui travaillait déjà pour la distillerie, il a décidé de racheter les parts de son cousin, puis est devenu propriétaire de Jack Daniel's pendant 40 ans. Pendant ces années-là, il a dû affronter la prohibition de 1911 à 1940, puis il a dû arrêter la production complète durant la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est battu fort pour que Jack Daniel's puisse recommencer à fonctionner. Il a par la suite légué la distillerie à ses enfants en 1947, puis eux, ils l'ont vendu en 1956 à Brown-Forman Corporation. Les nouveaux acheteurs ont promis de garder la distillerie comme elle était, c'est-à-dire un endroit familial où c'est que les employés sont heureux d'y travailler.
ça sent bon, les amis tourbus. What I love about hole number seven, it starts sweet up front, hit up the bottom of the jaw. Caramel, a little bit of caramel, but when you finish it off, it's kind of a fruity. Prochaine bouteille de Jack Daniels que vous allez boire. Elle est là-dedans. Vous avez mis ton dégustation? Non. On n'est pas très des bœufs, des whisky. Jack Daniels, ça reste Jack Daniels. Quand même. Oh. Même après la dégustation, qu'on était quand même correct pour conduire, c'est comme fait en conséquence. En conséquence que soit capable de conduire pareil. Les quantités sont calculées pour ça. Ouais. Mais il disait de ne pas justement partager une quantité pour ne pas dépasser la quantité d'alcool permise dans l'État ici. Puis c'est pas pourquoi la police passe toujours en avant. On a eu vraiment un beau tour avec Bob. Bob était cool. Ouais, Bob était vraiment cool. Il a raconté plein de petites histoires là, sur la place en même temps de faire le tour. Vraiment cool. Ouais. Puis, une affaire que moi je trouve vraiment drôle, c'est que le village, l'État, ce qu'ils sont ici, le quartier, le village, c'est sans alcool, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de liquor store, la SAQ, comme vous mettez au Québec. Ils ne vendent pas d'alcool ici, ils n'ont pas le droit. Ça fait qu'ici, ils n'appellent pas ça un magasin qui vend de l'alcool, ils appellent ça, ils vendent des bouteilles. Ils vendent des bouteilles souvenirs. Des bouteilles souvenirs de Jack Daniel's. Parce qu'il y a dedans, c'est un cadeau. Fait que c'est... fait que si t'achètes une bouteille, ben t'achètes une bouteille. Ouais. Puis ben, c'est un cadeau d'avoir du Jack Daniel's. Et le cadeau, c'est dedans. T'es juste chanceux s'il y en a dedans. Fait que choisis tes bouteilles. C'est super cool, c'est drôle. Ouais. C'est ça que le guide disait. Il disait que ce qui est cool dans tout ça, là, il nommait les 12 convenaient, les gens. Il dit, ben, tout le monde qui a déjà goûté du Jack Daniel's a tout bu la même eau qui vient de la grotte qu'on ouais. a vue. Ça, c'est quand même vraiment ouais. cool. Depuis le début que c'est ce tour-là. Puis Jack Daniel's Foundation, ici, ça a été construit à cause que Jack il a trouvé cette source d'eau-là pratiquement déjà filtrée, tu sais. Ouais. Et ça, c'est vraiment... Ouais. C'est vraiment beau comme place, là. T'sais, c'est des vieux buildings, mais autour, là, c'est du gazon, c'est des arbres. C'est une belle place. Bien, très bien. Ça vaut la peine. Une heure et demie de route valait la peine. On a vraiment adoré Nashville. J'ai vraiment hâte de y retourner, pas juste pour aller danser. Un petit fait important pour vous autres. À Nashville, comparativement à plusieurs places, c'est pas permis de se promener en consommant de l'alcool ou d'avoir des bouteilles ouvertes dans les rues. Vous allez voir, on partage pas souvent des prix dans nos vidéos. Non, parce que ça donne absolument rien, parce que les prix, ça varie tout le temps. En plus, il y a des rabais pour les vétérans, pour les personnes âgées, puis pour les familles, puis plein d'autres. Donc, on aime mieux mettre les liens des activités qu'on fait ou des endroits qu'on visite dans la description. Fait que de cette façon-là, vous avez un accès facile pour voir toute l'information que vous voulez. On vous rappelle que nos vidéos sur YouTube sont environ 6 mois en retard sur la réalité. Si vous avez envie de voir nos aventures en temps réel, on partage quelques photos et vidéos sur Facebook, Instagram et TikTok. Parce que présentement, on n'est pas à Nashville du tout, on est au Nevada. Vous allez pouvoir trouver les liens dans la description. Si vous aimez la musique qu'on met dans nos vidéos, ben on a mis des listes sur Spotify. Le lien est aussi dans la description.
Fait qu'en gros, allez voir dans la description, vous allez trouver plein d'informations. Dans le prochain vidéo, ben, on retourne au Canada. Laissez-nous des commentaires puis un petit j'aime. Allez, cow-boy, on s'en va vers notre nouvelle aventure. Dans notre nouvelle aventure. 'Cause I found my way.